La présentatrice s'appelle comment ? Elle s'appelle Régis. Et oui, Régis, écoute, je me caille les couilles à Gérard Maire, mais je pense à toi. Bon, ça c'est fait, mais faut pas pousser Michael, la preuve. Ça se passe très bien, on est très content. En plus on a le soleil, vraiment une bonne journée. D'accord, mais à part ça, qu'en pensent les chasseurs d'autographes ? Je trouve que c'est un peu moins bien, je suis désolé de le dire, mais par rapport à d'autres années c'était plus vivant. Lâche ça! Disons que sont moins connus les vedettes, voilà. Plus difficile à reconnaître. Ouais, des cadeaux! À fond encore le festivalier, mais peut-être pas au point de péter un score d'affluence. Sentiment assez mitigé pour être un habitué du festival. Je trouvais que ça manquait un peu de peps, on va dire. On a des films intéressants, mais qui manquent quelquefois un peu de dynamisme, on a trouvé à mes amis et moi. Première tendance donc, mi fig, mi raisin pour cette cuvée 2014, mais à Gérard Maire, la vérité est peut-être ailleurs. Nous on est venus profiter, voilà, du ciel bleu et de la neige. Le festival ? Bah, c'est pas trop notre style de film, mais bon, voilà. Voilà, finalement les vraies vedettes n'étaient pas forcément les plus visibles, tout ça bien sûr dans un esprit bon enfant. Michael Cohn, pour France 3 Lorraine.